Eh bien, Marcel, premier bagage qui m'a dit justement, tout le monde connaît, et parmi lesquels, messieurs politiciens de l'opposition, je compte très bien qu'est-ce qui met cette situation. C'est l'ambassade américaine. Mais ça que fait, on parle devant l'ambassade américaine directement. Nations Unies, corps groupe, pas rien, sont signatures de l'ambassade américaine. Ça que fait pas mettre barricade devant l'ambassade américaine, empêcher l'ambassadrice américaine d'employer l'ambassade dans le travail. Ça que fait, c'est pas sur le tabac, le vide et l'huile. Pour qui ça, c'est bien Haïti à craser, c'est Timon Haïti à empêcher à l'école, c'est la vie Haïti à tuer. Je ne pas faire. Parce que je connais que les Américains se mettent tout. Ce n'est pas seulement Jovenel, non le mettre. Et puis, il y a madame, il y a petite, qui est américain. Je prends un Américain qui a déporté au bayou. Il y a même tout, il y a une résidence. Là, il y a un posto, il y a un visa pour la plupart. Et ça ne fait pas faire. Donc, pour qu'il y ait un faux c'est bien Haïtien qui a croisé. C'est Haïtien qui a empêché le travail. C'est l'État Haïtien qui a menacé à le fermer. On va foutre à le boulot qui a devant l'ambassade là. On va foutre à mettre barricade pour empêcher l'ambassade de le travail. On va foutre à le vider l'huile devant tabac. On va faire ça. Alors que nous connaissons très bien l'histoire montée, nous. Que tout peuple qui est mené par des leaders sérieux, conséquents, responsables, c'est devant l'ambassade américaine direct. Parce que vous connaissez que c'est là-bas. Là. C'est pas quand monde pareil, ou citoyen pareil, ou t'as croisé, non? C'est pas l'école là qui a fait menace pour fermer, non? Non, c'est pas ça au défait. Mais au même, Jean-Baptiste a dit, il y a eu courage. Il y a eu le vrai courage, la sincérité. Tu étais maintenant combat vraiment pour le pays. Ce n'est pas pour le remplacer son président, puis il le voler. Même j'ai été qu'on fait déjà, sous privé, sous la valade, sous préval. Al camper devant l'ambassade américaine. Al bouler caoutchouc là. Al mettre barricade là. Pour empêcher l'ambassade de faire le travail. Avec tout attaché lieu, tout employé lieu. Le ça, même si M. Trump, très occupé dans gérer bien dans cette institution, parle, et même pas caché d'où, la faut obliger pour une décision, parce que mon niveau ici, t'as voué dire, fort font gens, parce que nous pas capables encore, nous pas capables de même travail. Alors c'est ça, oui, qui problème. Là, on a fait un monde qui veut les changements tout bon. Et là, on a fait un monde qui s'est poché à défendre. Je ne veux dire à mon monde, c'est dans le même état, Jovenel Moïse, sans conscience, sans grandeur, sans hauteur. Jovenel Moïse, son cadavre politique. C'est vrai, les Jovenel sont cadavres qui louent, qui encombrent. Faut nous aménager nos structures pour nous capables de retirer le cadavre là. Lever le cadavre là pour lancer une cette histoire. Et pour ça, il faut que nous soyons intelligents, pour nous suspendre, craser le pays, nous, alors que nous n'avons pas de problème dans les ambassades américaines. Donc, pour qu'il y ait force sur mon ennemi,